Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième review du Sanctuaire. Souvenez-vous, il y a quelques temps, donc j'avais présenté ma première review en parlant du Pegase V1 EX de chez Great Toys. Et je vous parlais donc de mon inquiétude quant à la suite de la sortie donc des quatre autres personnages principaux de la saga et de mon rêve notamment d'avoir le Dragon V1 EX un jour dans ma collection. Eh bien, écoutez, regardez, il est là, le Saint Graal est arrivé par mégarde. On n'attendait plus vraiment d'avoir de figurines aussitôt. Il y avait eu des rumeurs qui étaient sorties comme quoi Great Toys avait les 5 personnages qui étaient prêts, mais bon, je n'avais pas trop prêté attention. Et visiblement, ça s'est vérifié puisque à peine un gros mois et demi plus tard, on a eu le Shiryu donc qui était disponible en boutique. Donc eh ben écoutez, c'est avec un immense plaisir que je vais pouvoir vous réaliser cette review. Et donc je vais commencer par vous parler du sommaire, comme d'habitude. Donc avec la présentation de la boîte, l'unboxing de la figurine. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas encore ouvert les boîtes, donc je vais vraiment découvrir ça avec vous. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu, et je vous avoue que je trépigne d'impatience de pouvoir découvrir cette figurine. Ensuite, bien évidemment, nous aurons donc le montage, la session posing en musique et mon bilan pour finir. Eh bien écoutez, on va directement passer donc au tour de la boîte. Donc l'emballage de notre Dragon V1 donc, ressemble trait pour trait à ce qu'on avait eu avec donc, le Pegase, à savoir un premier emballage donc, avec le personnage qu'on peut reconnaître aisément dessus, hein, donc en tenue cette fois de skater, Marcel Noir, short et basket. Et on retrouve également donc, notre totem Power Rangers avec le fond, donc avec marqué unicorn et une grosse tête de dragon dessus. Donc pour regarder ça un petit peu plus en détail, hop, je pose ça de ce côté. Donc on a donc notre totem. On a donc toujours l'étoile, souvenez-vous, donc on avait noté ici Fixed Stars sur le Pegase, donc là il y a juste une étoile. Toujours donc l'unicorne noté donc à côté. Des informations donc en chinois dessus, donc je ne sais pas plus ce que ça veut dire que la dernière fois, donc, mais on s'en fiche un petit peu. Et donc ici on remarque par contre une petite modification, donc avec des informations, avec même des traductions. Pour la première fois donc en français notamment, donc on voit qu'on peut avoir un code barre, une norme CE, donc là c'est bien indiqué donc que c'est que ce n'est pas un jouet, donc que ça correspond donc à des personnes de plus de 15 ans. Et à ce titre là donc j'ai entendu tout un tas de rumeurs de gens qui se questionnent là-dessus, donc certains qui se disent bon, peut-être une commercialisation en Europe, donc ça reste un produit non officiel. Donc honnêtement pour moi, je pense que c'est encore quelque chose qui est là pour rajouter un peu plus de chances de passer facilement les mailles des filets des douaniers. Voilà, tout simplement. Donc après, on verra par la suite si ça se confirme ou pas, mais je n'y crois pas du tout. Donc notre deuxième boîte, donc nous retrouvons notre Shiryu. Hop, je vais pousser ma petite plateforme qui me gêne un petit peu pour pouvoir mieux vous montrer. Donc toujours avec des indications en anglais dessus, on retrouve donc la mention Supre WC sur les côtés, donc avec un fond vert qui correspond bien aux couleurs de notre dragon. Et donc ici, donc ça reprend en fait hein, des logos. Alors certaines personnes en commentaire m'avaient laissé, enfin une personne en particulier m'avait expliqué qu'en fait que c'était une sorte de troll par rapport à des marques très connues. Donc, moi j'y connais rien, mais voilà, donc c'est encore un clin d'œil de visiblement de Great Toys par rapport à ça. Donc écoutez. Je crois que je vous ai tout dit, de toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc on va passer maintenant à l'unboxing.
l'unboxing de ces figurines que j'attendais avec impatience. Donc je me munis de mon petit couteau. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on pose tout ça. Et je vais commencer donc par ouvrir la boîte du personnage. Voilà, donc on a des sachets à l'intérieur également. Donc on retrouve comme d'habitude à l'intérieur de notre boîte donc le corps qui est en fait caché dans un corps plastique, donc qui représente en fait le personnage qu'on a à l'intérieur de la boîte. On peut voir qu'on a les pieds donc qui sont pris dans des espèces de grosses baskets et le sachet donc avec les visages à l'intérieur. Notamment j'ai un sachet donc avec la chevelure qui a l'air très sympathique, ceci dit en passant. Et donc comme d'habitude les jambes donc qui sont fournies à part. Donc dans un autre sachet qui seront à monter par la suite. Le deuxième emballage, donc le plus important au niveau du contenu. Donc là, pas de sachet plastique à l'intérieur en l'occurrence. Et on retrouve donc notre totem typé Power Rangers. Donc la couleur est très très jolie. Donc avec le sachet joie à l'intérieur, donc avec les mains dedans. Il me semble qu'on a une autre petite tour noire. Les cache-mains également qui sont drapés à l'intérieur. J'espère ne pas avoir de soucis de ceinture, donc je vois ça a l'air nickel cette fois-ci. Donc voilà, et bah écoutez, je vais me faire un plaisir de sortir tout ça des emballages. Et donc on va mettre déjà tout ça hop ensemble pour qu'on puisse avoir un petit panorama. Donc je sors tout ça des emballages et je vous retrouve donc très rapidement pour le montage. Voilà les amis, et bien écoutez, j'ai sorti tous les éléments donc des emballages. J'ai mis en place donc comme vous voyez notre Shiryu qui est absolument magnifique, plein de charisme, avec un très beau visage, qui est déjà le. En fait ce sont les mêmes visages que nous avions avec la version V3 EX, donc de cette même marque, et qui était déjà une tuerie, et donc ils ont gardé exactement la même chose. Pour cette version V1, et on peut dire qu'ils ont bien fait parce que par rapport à la notamment au V2 EX de chez Bandai, le visage est quand même beaucoup beaucoup plus profond et beaucoup plus joli. Donc là il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est une réussite. Juste avant de commencer, donc je reviens un petit peu sur le. Juste pour préciser, donc je ne vous ai pas montré le photothème. J'avais pas envie de perdre du temps avec ça donc pour cette review. Je vous en avais largement parlé déjà pour le Pegasus V1 et donc pour les futurs V1 EX à venir. Je vais pas recommencer à chaque fois, hein. Vous avez bien compris que c'était un leurre. Donc voilà, j'ai tout démonté, j'ai tout remis dans la boîte. Et voilà, on en parle plus. Et bien écoutez, déjà pour faire un point au niveau donc de la rigidité de notre personnage, déjà on peut le voir de plus près hein, donc avec le visage, avec une belle mise au point, il est magnifique. On a un corps qui est superbe, encore donc avec la bille hein, qui revient, qui recouvre bien les épaules, contrairement à Bandai, donc ça qui était une innovation de chez Great Toys, qui est absolument super. De très bonne qualité, très rigide, il n'y a rien à dire, c'est encore une fois avec eux, c'est toujours au top, c'est vraiment super. Et puis bon, le petit détail, hein, à chaque fois, donc le corps qui est typé comme, vous voyez, ça fait des plis comme un vêtement, pour éviter d'avoir les abdos comme on a chez Bandai, qui ne sont pas pour le coup hyper réalistes. Donc avant de démarrer définitivement, on va y arriver. Je vais commencer déjà juste pour détailler un petit peu. Donc on a vu ce premier visage neutre de Shiryu. Je vais vous montrer les trois autres qui sont fournis avec la boîte. Donc les yeux fermés, visage hurlant. Ah, le personnage qui est tombé, donc c'est pas bien grave.
je le remets de suite. On a un visage donc aux yeux fermés. Et donc un quatrième visage, visage les yeux ouverts et visage hurlant. Les mains, donc on a une main droite, donc pour pouvoir pointer du doigt hein, directement, donc elle est plutôt sympa cette main. C'est bien qu'il l'ait intégré. Nos deux traditionnelles mains point fermé, donc on peut voir que les phalanges dessus donc, ne sont pas peintes. Par contre, j'ai pu voir une photo d'une personne qui les a peintes et ça fait vraiment super. Alors, je vais mentir, je vais pas le faire. Enfin, je trouve la bonne peinture, mais j'avoue que ça rendrait quand même simple. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il ait pas fait. Ça rendrait super bien. Les deux mains donc semi-ouvertes, pas de souci de peinture pour ma part, c'est nickel. Et donc pour finir, les deux mains grandes ouvertes, donc ils sont propres, rien à dire. Et ben écoutez, allez c'est parti, donc on va attaquer le montage de notre figurine. Donc, à commencer par les jambières. Ah, attendez, je vois si je les mets. Voilà, excusez-moi, c'est à me remettre dans le bon sens. Donc, j'essaie de bien les enfoncer. Donc la couleur qui est très jolie, on a un très beau vert qui diffère également donc du vert qu'ils avaient utilisé pour le V3 EX. Et donc on n'est pas non plus sur du vert bouteille, mais c'est très très joli. Je reviens sur les éléments bien évidemment, donc c'est en métal. Les genouillères donc qui sont, je trouve pour ma part, un peu petite par rapport aux personnages du dessin animé, qui ont l'avantage par contre d'être beaucoup plus fidèles de ce qu'avait fait Bandai sur sa version, parce que ces Bandai sont donc c'est un petit peu plus harmonieux chez Bandai au niveau des genouillères, c'est arrondi, mais c'est pas du tout les genouillères du Shiryu du dessin animé. Donc là par contre en revanche on les a bien, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, on va remettre les pieds. Donc, toujours pareil. Hop. Ça tombe tout derrière. Je vais faire un appui. Je vais enlever la boîte qui me gêne. Voilà, vous m'excuserez. Voilà, qui sont un petit peu durs à enfoncer, mais au moins ça tient bien. Donc là, pas de souci de ce côté-là. Alors, donc la ceinture. Donc cette fois-ci, j'ai pas de défaut. Souvenez-vous, donc j'avais eu des problèmes donc avec la ceinture qui était mal sertie, et donc là, hop, c'est pas évident d'enlever la boucle, ça tient bien. C'est tout en métal. Hop, je vais tirer pour enlever ça, donc on a. La ceinture qui est intégralement en métal. Voilà. Donc on va mettre devant. Qui est très très jolie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le rendu est déjà magnifique.
Je vais mettre donc. Hop, donc il y a en deux parties. Donc la partie poitrine, donc qui est la partie qui fait un petit peu polémique. Alors c'est pas évident, faut bien ouvrir. Voilà, ça se clipse très facilement. Des fois, c'est pas évident à mettre. Là, ça se passe, ça se met en place parfaitement. Bon, c'est toujours un peu dommage, par contre, je trouve de faire l'ouverture par l'avant, puisque du coup, ça oblige à, vous voyez, le col, ça oblige à le couper en deux. Et voilà. Donc, quand on referme, on a toujours ce petit trait. Ici, donc je trouve un petit peu disgracieux quand c'est vers l'arrière, je trouve que c'est un petit peu plus ça rend quelque chose de plus joli. Donc les rares pièces qui sont en plastique, à savoir donc les sous-épaules, que je vais essayer de mettre comme il faut. Pas évidente à mettre en place. Voilà, mais au moins, je pense qu'une fois qu'elles seront posées, elles vont bien tenir, elles vont pas nous embêter. Voilà. Et donc, les épaules. Hop. Avec les célèbres griffes du dragon, donc ce qui est vraiment un des éléments phares. Alors, c'est assez raide. Enfoncé, voilà, c'est fait. Elles sont en place. Bah écoutez, vous voyez, ça se monte très très rapidement puisqu'on est déjà pas très loin de la fin du montage. Donc, je vais enlever les mains. On va pouvoir lui mettre son bouclier, donc intégralement en métal. Sur les photos, j'avais un petit peu de mal avec l'aspect relief qu'on avait dessus, et puis bon, au final, ce qui est pas si mal. Voilà. Et voilà. Donc je vais préparer les deux mains. Donc on a deux paires de cache-mains cette fois-ci. Donc ça c'est parfait. Voilà, donc ça c'est en place. Également de ce côté. Donc voilà, avec le bouclier. Donc il est absolument superbe au niveau des couleurs. En plus, ça tombe bien parce qu'on a un petit peu de lumière. C'est vraiment très très joli. On va passer donc au montage du casque. Là, pour le casque, on enlève donc la chevelure,
casque était, qui avait été un petit peu décrié sur, sur la partie sur le CIA, qui n'était pas forcément de bonne qualité. Donc là vous voyez d'ailleurs on a une première partie donc on intègre donc à l'arrière. C'est en trois parties. Hein. Vous voyez dessus. Voilà, attendez, je vais m'approcher un petit peu parce que c'est pas évident derrière la caméra. C'est pas la partie que je préfère vous faire au niveau montage. Voilà, on va y arriver. Donc là, on a un casque hein, qui colle parfaitement bien. Au niveau du visage, nous avons donc une petite mèche comme sur le Pégase. Donc là déjà elle tient elle, pas contrairement au Seiya, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de s'embêter. Et on va remettre, voilà, le casque derrière, tout s'emboîte parfaitement et c'est absolument magnifique. Et ben écoutez, j'étais plutôt pas trop emballé quand j'ai vu les premières photos de cette figurine. Et ben je dois avouer que elle est en train de me faire changer d'avis. Hein. Même si, voilà, d'aspect général, je regrette un petit peu la taille des genouillères qui pour moi aurait mérité d'être un petit peu plus grosse. Et puis ben, notamment le plastron. Alors le plastron, moi je devine qu'ils ont fait ça pour voilà pour permettre plus de mouvement au niveau des bras de notre Shiryu, mais c'est vrai que malheureusement bah, ça laisse un jour ici qui est un petit peu disgracieux, donc qui est pas exceptionnel, mais voilà, faut quand même avouer que c'est quand même super joli hein. Il est super beau, le vert est magnifique, il y a des reflets dessus, il n'y a pas à dire, il claque vraiment, franchement. Voilà, il me laisse sans voix. Donc voilà, et ben écoutez, on a fait le tour déjà, donc du montage. Hein. Ça a été assez rapide. On va passer maintenant donc à la session posing, puis on se retrouve directement donc pour mon bilan. À tout de suite.
Et bien voilà les amis, écoutez, je vous retrouve donc pour le bilan de notre figurine suite à cette session posing. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien écoutez, on va commencer donc par parler de la boîte. Donc la boîte qui, comme vous le voyez, donc est présente ici sur le côté, est vraiment pas terrible. De ce côté-là, donc c'est vrai que c'est vraiment bon, on sait pourquoi ils font ça, mais voilà, c'est une boîte qui n'a aucun intérêt. Donc je vais pas m'éterniser dessus de ce point de vue-là, et donc bon, c'est bof bof hein, pour la boîte, enfin une boîte qui n'a pas d'intérêt à être gardée. Voilà, le point suivant, donc le contenu de notre figurine. Eh bien écoutez, le contenu, je suis un petit peu, pas mitigé, mais voilà, j'aurais aimé pourquoi pas un visage avec les yeux ensanglantés en plus. Et surtout donc la critique que je vais émettre, hein, donc il va revenir sur le rendu, c'est que j'aurais aimé un plastron plus large, supplémentaire, pour pouvoir cacher donc sur les côtés les épaules qui sont très apparentes et qui sont le principal défaut pour moi de cette figurine, toute somme magnifique quand même. Donc voilà, mais sinon bon, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a quatre visages, hein. Peut-être qu'ils auraient pu proposer des petites choses en plus, mais bon, ça reste quand même correct. La rigidité du personnage, eh bien écoutez, comme toujours avec Great Toys, c'est absolument impeccable. Donc il n'y a vraiment rien à redire par rapport à ça, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, c'est de ce côté-là, donc c'est forcément un très bien. Pas de souci avec ça, les corps sont superbes, la figurine est super maniable, c'est vraiment du tillet pour faire les posings avec, c'est comme d'habitude avec eux. Voilà, donc très très bon point. Le montage, comme vous avez pu le voir, donc le montage c'est très bon également. Aucun souci avec. Donc c'est vraiment comme d'habitude avec Grey Toys, mais il faut dire qu'aussi l'armure s'y prête bien. Mais voilà, montage impeccable, tout s'emboîte bien, pas de problème avec la mèche cette fois-ci comme on a pu avoir avec le Pégase la dernière fois. Donc tout est parfait de ce point de vue-là. C'est les mains s'emboîtent très très bien. Aucun souci, c'est du Grey Toys. Bravo. Donc la qualité des éléments, et eh bien écoutez, c'est encore une fois c'est parfait. La peinture est superbe, je n'ai noté aucun défaut sur cette figurine de ce côté-là. Donc encore une fois, bravo Great Toys, il n'y a rien à dire, c'est toujours un plaisir avec eux. La maniabilité, oui, pardon, la maniabilité de cette figurine, et ben écoutez, elle est extrêmement maniable, comme vous avez pu voir avec la session posing. J'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais avec. J'invite les pro Bandai à essayer de reproduire les mêmes poses avec leur version classique, et c'est là que ça fait toute la différence avec les EX. C'est que c'est un vrai bonheur à manipuler, à faire des poses avec. On peut faire un peu tout ce qu'on veut et avec un rendu magnifique. Donc c'est top également. Et pour finir le rendu, eh bien écoutez, le rendu c'est une magnifique figurine, beaucoup plus belle que ce que j'avais, enfin de ce que j'avais pu voir sur les photos. Donc voilà, j'en reste quand même très satisfait. Malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu quant à bon, les genouillères que je trouve un peu petites. Au niveau des défauts, les sous-épaules, c'est vrai qu'alors, pour ceux qui ont eu Itchy de l'Hydre de la même marque, ils avaient eu la bonne idée d'intégrer en fait les sous-épaules à l'épaule. Et je trouvais que c'était très très bien. Je pense qu'ils auraient dû reproduire la même chose ici. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, la figurine est très harmonieuse. La Bandai l'est également, c'était une vraie réussite. La classique, mais je trouve que la Great Toys est quand même plus fidèle au final, notamment par rapport aux genouillères, aux jambières, où là c'est vrai que sur la Bandai ça fait un petit peu poteau, donc là c'est vrai qu'on a quelque chose de plus sympa chez Great Toys. En revanche, c'est vrai que la partie buste est quand même mieux
mieux dessiné chez Bandai. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. C'est vrai que les épaules, mais c'est pareil, les sous-épaules, si on regarde bien, sont pas vraiment hyper fidèles sur la Bandai par rapport à l'animé. Donc je pense que Grad Toys a vraiment eu le souci d'être dans la fidélité du personnage. Mais voilà, ça s'en ressent un petit peu sur le design. Et le principal défaut, c'est quand même ces écarts que nous avons au niveau des épaules, qui reste quelque chose d'un petit peu, c'est les épaules qui sont visibles, donc qui reste vraiment dommage et qui nuisent un petit peu à l'esthétique générale de la figurine. Donc pour moi, je vais quand même mettre que c'est bon parce que le rendu général est quand même superbe, mais pour ma part, voilà, je reste un petit peu quand même déçu sur certains petits points. Eh bien, écoutez, ma note de satisfaction, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une figurine de mes rêves que j'attendais. Elle est certes perfectible sur certains points, mais elle reste quand même absolument magnifique. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Bien évidemment, un grand oui pour cette figurine. Je pense qu'une fois qu'on va avoir les 5 V1 EX, on va avoir un panorama absolument incroyable. Waouh, ça va être une boucherie. J'espère que la suite va maintenant vite arriver. J'ai vu mon confrère d'Univers Seiya, donc qui a posté un message, qui est en contact avec un vendeur en Asie, qui dit que le Liki V1, donc qui est normalement sera la prochaine, ne serait pas là avant apparemment le mois de avril-mai. Donc a priori, on aurait un petit peu de temps entre les sorties. C'est dommage. J'aurais bien voulu qu'ils gardent le rythme. Après, ça reste encore à vérifier, hein. Mais voilà, c'est une petite info que je vous donne. Et je salue d'ailleurs mon ami Juan Carlos d'Univers Seiya. N'hésitez pas, bien évidemment, à voir sa chaîne et sa dernière review du Serpentaire version OCE et je vous rappelle que prochainement, j'espère aussi courant du mois, la version animée va arriver sur ma chaîne. Écoutez les amis, je vous laisse, j'en ai fini avec cette review, donc j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine review qui va arriver également rapidement donc sera celle du Cancer SOG Restock 2019 de chez Grub Toys, que j'ai également à la maison. En attendant, bah, soit le RS, hein, soit de chez Bandai à suivre, ou soit donc le Serpentaire, quand il va arriver. Donc ça sera voilà, les prochaines reviews qui vont arriver de toute façon. Rapidement courant du mois. Donc comme je vous le dis, si n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes nouvelles reviews. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours très agréable pour moi de vous lire. Et donc rejoignez-nous également sur la page Facebook Le Sanctuaire pour partager votre passion avec nous et vous serez bien évidemment les bienvenus. Écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Et bien écoutez, je vous dis, collectionnez bien, profitez bien de la vie, de ce qu'elle peut vous offrir, et à très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Bye bye!